Bonjour à toutes et à tous, c'est le Blaireau Sportif et je suis en compagnie de... Attends, quelqu'un d'autre. El Kagura. Vu au hasard. Et nous aussi, alors ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait. Hein, ça... Ah non. C'était vraiment un an, donc la suite de l'épisode de Zombicide, maintenant c'est l'épisode 1, l'épisode 0 vous a beaucoup plu. On a eu des retours aussi au niveau de certains points de règles, on va essayer de s'appliquer. On va essayer de s'appliquer. Et faire plus attention. Faire plus attention, oui, exactement. Pourquoi moi tout de suite? Non, c'est normal, t'inquiète. Je crois que c'est pas une bonne idée qu'il soit comme ça. Ah, bah, bon, avouez que vous avez fait. On m'a mis là, j'ai pas eu le choix. C'est vous qui vous êtes placé non, ici. Non, c'est toi. Faut pas l'écouter, c'est lui qui décide quand c'est comme ça sur le positionnement. Sur ce coup-là, je serais d'accord avec toi, mais c'est tellement rare. Donc, nous voici pour le deuxième scénario, donc qui va introduire le nécromancien, tes meilleurs amis, et l'abomination. Notre objectif dans ce scénario, c'est de récupérer tous les objectifs. Ouais, il y a trop de blocs sur l'écran. Ensuite, nous devons au moins tuer Gérard, et Rodriguez. Genre de bestiole, et puis, vas-y, Rodriguez. Tu sais qu'au montage, on le verra peut-être pas comme ça au début. Mais c'est bien au moins d'essayer. Non, mais tu l'as déjà fait des départs, hein, quand même, hein. Non, on le souligne, t'inquiète, c'est bien. Donc, nous avons également inséré deux nouveaux survivants et on a tiré au D8 pour savoir qui c'est qu'elle est jouée. Ouais. Ah, mais je me rends compte que toi aussi t'en as une paire, là. Bah, j'ai Jeanne. T'as Jeanne. J'ai ajouté Jeanne. Jeanne, au secours. Et nous avons. Comment il s'appelle? Severus Rogue, alias Grayson. Grayson Rogue. C'est le chef, il y a des fans d'Harry Potter. C'est le Rogue allemand, quoi. Ok, ben voilà, écoutez, nous avons. Qui c'est qui va commencer? Bah écoute, celui qui est en bout de table, c'est toi qui va commencer. Ouais, le plus mou. Une petite coupure brutale pour vous dire que la capture du plateau n'est pas de bonne qualité suite à un souci avec mon disque dur. Pendant nos mouvements, il y aura des gros pixels dégueulasses sur le plateau. En espérant que cela ne vous gênera pas, mais je vous rassure, pour les prochaines vidéos de ce type, on réglera le problème. En attendant, désolé pour la petite gêne, et bon visionnage. Elle est super, donc je joue Dame Meriel. Dame Meriel. Dame, ouais. Alors pour vite fait, le rappel des règles, hein, trois actions. Des zombies qui apparaissent dans les bâtiments suivant le niveau de danger. Les zones d'invasion. Oh ouais, les zones d'invasion. Alors on va pas rentrer dans les détails parce qu'on en a déjà parlé dans l'épisode 0, mais si vous voulez revoir à peu près les règles en détail, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 0 si vous l'avez pas vu. C'est de la bonne. Voilà. Il y a des bons retours, tout ça, donc c'est l'épisode suivant. Donc, alors, je pense que la couronne devrait aller du PC. Non, ça c'est pour le Born Leader. Parce qu'on a deux mecs avec Chef Nick. Ouais, moi aussi je suis Born Leader. Hein. Donc on a deux Born Leader. Ouais, c'est bon. Dame Meriel, allez-y. Allez, alors, une action de déplacement. J'utilise une action pour essayer de casser leur porte. Avec la botte à dé, la fameuse. Oh, regarde, la botte à dé, on peut l'avoir. Ah bah vas-y, tiens. Lance le dé, puis tu montes à la caméra comme. Ok. Tu peux le lancer là en fait. C'est pas. On le voit. Et il casse pas la porte. Et il casse pas la porte. J'ai pris une action. Et il casse la porte. Ça résume bien le personnage. Ah bah voilà, bah ça recommence. Ça résume bien le personnage. Bonjour. Oui, c'est le nain qui joue. Alors, Elona, est-ce qu'il va jouer? Je vais absolument pas faire d'accent de nain parce que je ne maîtrise pas. Je maîtrise plus le belge que le nain. Donc, je vais venir avec... Tu me suis? Bah parce que tu sers à rien, donc je vais essayer d'ouvrir la porte moi-même. Ça te va comme un con? Non, je suis pas convaincu. On va essayer de lancer. Attends, je me permets parce que... Déjà, il faut que je vise la boîte, c'est déjà un problème. Et voilà. Regarde. Alors, qu'est-ce qui pop dans la zone? Qui c'est qui fait le spot? C'est vous, parce que moi j'ai pas les cartes en main. J'ai juste les figurines. Mais y'a rien. Y'a rien. Oh là, pas de problème. Là, ouais, mais c'est parce que voilà, je suis... Je vais montrer le chemin. Hein? Non, y'a plus rien, c'est une pièce normale là. Et je vais rentrer ici, et en tant que Born Leader, je vais donner une action. Ah, j'aime bien Monsieur Rogue allemand. Tu as une action supplémentaire et tu pourras aussi. Tu peux la garder, mais tu peux. Mais par contre, il faut que tu l'utilises au prochain tour. D'accord. Bah, vas-y, c'est à Rogue ou à Spion Air de témoin. Je joue au Rogue au début. 1, 2, 3ème, et je vais utiliser la dernière action pour. Super. Vas-y, de toute façon, il faut prendre des objectifs. Ouais. Et c'est quoi comme objectif? Non, c'est bon, c'est un exercice. Donc tu as 5 points d'XP. Un objectif, ça fait très très mal. Bravo, ensuite, on va utiliser Spear Head.
Donc 3 actions, une, deux, je vais peut-être ouvrir tout de suite. La crypte, il faut l'ouvrir avec les dés, n'oublions pas maintenant. D'accord, ok, alors allez. Bah, tant qu'à faire, oui, allons-y. Allez, soyez témoin de soit mon échec ou de ma réussite. Non, mais que. On a bifé une. Oh là là, c'est magnifique. Par contre, il n'y a pas de zombies dans les dés, c'est la dame, quoi. Non, il faudra l'ouvrir de l'autre côté. Ah, il faudra ouvrir de l'autre côté, d'accord. Ah oui, parce que la coupe, oui, c'est. Ouais, il y a deux portes. Ah, donc c'est cher. Donc c'est à Jeanne. Alors Jeanne, je vais donner mon action supplémentaire à bien beau. Hein. Alors Jeanne fait 1, 2, Jeanne va fouiller. Donnez-moi une carte équipement s'il vous plaît. Mm-hmm. Et c'est des flèches en pagaille, c'est bien, j'ai un arc. Oh, c'est parfait. Magnifique. Bah toi c'est un bien beau. Ah d'ailleurs j'ai oublié un truc sur Bimbo. Petite transition. That's easy. Donc nous revoici. Pardon avec... Antoine. Non mais je vous en prie. Donc nous revoici. T'as bien intérêt de répondre ça. Donc. Voilà. Ah, blanc, blanc. Deux, et je fouille. Fouille. Oui. Maître des cartes. Fouille-moi ça. C'est rare que je suis le maître des cartes quand même. Y'a rien. Un trait de mort. Bon voilà, je suis spécialisé aussi en magie. Oh, on a deux magiciens. Ah bah, je vois qu'il y a Death. Ah bah, tu as justement ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça. Eh bah, je pourrais te le donner. Avec plaisir. Regarde, comme j'ai une action supplémentaire et grâce à Born Leader, ouais. Je te le confie. Ah, vous assistez à un couple. Ah, peut-être que le poisson il aime bien les hommes, hein. Écoutez. C'est vrai que c'était le. Et maintenant, c'est le tour des zombies. Alors, le premier spawn, on va faire celui-là là-bas. C'est un gros Fatty. Et ensuite un là-bas. À droite. Et il y en a deux encore, c'est vrai. Rien du tout. Il y a rien du tout. Rien du tout. On a de la chance là-bas. Ouais. On est dans la zone. On est encore dans la zone bleue dans l'XP du coup. C'est ça. Et un Walker normal. Non. Ça va, c'est pas ça. Ah c'est ça. Encore une pop. Non, c'est bon, les pop. Non, t'inquiète. On avait pop. Non, bah si t'es. Vu qu'on meurt, si. Non, mais je vais chaud, regarde, il y a plein de zombies. Un tour pour pas passer une porte, ça veut faire pop des zombies en plus. Bon bah voilà. Non mais ça cherche tout de suite. C'est à toi de jouer là. Ah, c'est toi qui commence. Ah bah oui bah alors ça suffit. Je suis encore dans l'action précédente. Alors là on a changé de tour. Je vais fouiller. Tu fouilles. Okay, monsieur. Et bah c'est peut-être que tu peux faire. Est-ce que c'est... Ouais. C'est une grande épée. Qui est la taille de mon humanité, de mon talent. Mais pas de mon perso. Donc, ensuite. Oh, vous êtes parti vraiment pour aller. On est tous ensemble, on est gros pires donc. Restez gros pires. Oh, je vous aime pas beaucoup. Enfin, si en tant qu'individu, oui, mais en tant que groupe, c'est vrai que moi je suis un peu. J'aime pas les foules. Comment ça s'appelle les gens? Agoraphobe. Ouais, voilà. Mais il est agoraphobe. Et. On va essayer d'ouvrir là-bas ou... Bah, on va aller là-bas, tant qu'à faire. Si vous voulez, bien entendu. La crypte est là. La crypte est là et il va falloir ouvrir. Il est comme son possesseur, il est pas très bon jeu. Et donc c'est quoi, ça fait deux actions? Ouais, t'as fouillé, mais tu peux essayer d'ouvrir la porte. Et je vais essayer d'ouvrir la porte, c'est bon. Ah. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu as prévu? Tu veux pas, mais vraiment pas me la tenir, la boîte. J'ai cru qu'il allait dire, c'est là. Donc la porte est ouverte, donc si vous pouvez ouvrir la porte, parce que moi j'ai pas le et donc, voilà. Il y a pas de le dé, si vous voulez, on peut le laisser là, parce qu'on le voit dans les coins. Ah, on le voit. Ouais. Ah, il y a plein de pop. C'est juste pour monsieur. Donc pour la pièce. Ah ouais, Walker. Tiens, passez le s'il vous plaît, parce que j'ai pas le bras long. La pièce dans le plumard. Qu'est-ce qu'il y a dans le plumard? Deux Walker. Bah, ils étaient en train de nous faire. Voilà, ça c'était bien, c'était bien. C'était le bon endroit pour pop par deux. Là où il y a les deux plumards. Alors, il y a un roi de plumard. Double invasion, donc pour la grande pièce là. Pour la grande pièce ici. Ouais. Vas-y, pop deux cartes. Deux cartes. Ouais. Et tu peux les retourner par contre. Bah, il aime bien faire du un walker et deux walkers. Trois walkers. Walker. Il y en a partout dans l'hôtel là. La walker par dur. La pièce en triangle. Qui nous a quitté ça. Rien non vu. Rien non vu, c'est bon. Rien non vu, pièce où il y a le tapis. Qui non, pas celle-là, là, t'as à côté, c'est la même. Ça, c'est pas un tapis du tout. En fait. Non, mais là, c'est toi qui l'as. Oula, bon. Double invasion, donc là où il y a l'espèce de billard, là, ici, là, ça sera ici. Là. Ah, c'est un billard? Je suis pour vous, on dirait. Un billard à médiéval. Deux walkers de chaque. C'est gentil quand même. Ah, non, pour le moment, le point que j'ai, c'est gentil. Très gentil, hein. Et dans. Ce truc avec des parchemins. Un bordel. C'est de la couture, ça, c'est. Un walker. Ah ouais, disons, c'est calme l'hôtel là, on va dire quand même, non? En fait, ils sont tous là. Ah, il y a beaucoup de gens dans les lits. Pas loin des lits, ouais, effectivement.
Bon bah, ouais, mais bon, il y a des... Et je donne, bien sûr, en tant que chef-né, je donne une action supplémentaire. Je vais le donner à Mériel parce que j'ai l'impression que c'est trop gentil. Au moins, c'est trop gentil. C'est trop gentil. C'est pas pour le c'est pas pour les rêves que tu penses. Oui, tu penses un peu à moi quand même. Ouais. Tu peux attaquer à distance. Hein. Tu peux tirer d'en haut en balançant des étincelles. D'accord, ok. Je pense. N'oublie pas. Mais avant toute chose, je vais fouiller. D'accord. Puis-je fouiller ? Non. Si. Non. Du coup, en robe, il demande des trucs, genre, est-ce que je peux fouiller ? Alors, il faut imaginer la situation, car pendant quelques instants, imaginez Rogue avec une hache. Ah. Putain, shining, quoi. C'est exponel. Donc... Bah pour découper le serpent. Bah maintenant il a remplacé sa baguette magique par une hache. Eh ouais, bah ça sera pas plus efficace pour lui du coup. Mais c'est pas gros. Avada Kedavra. Il va attaquer Harry Potter avec cette toute cette page. Ah ça change du c'est l'évidence. Bon allez, la hache dans la gueule. Mais gardium, il est go hache. J'ai fait une action, deuxième action, troisième action, et de loin je vais attaquer. Là, t'as fait ta troisième, donc là t'as la bande leader. Donc tu dis ça, bande leader. Et puis, tu joues Magic Action. Ah oui, c'est gratuit, bah oui, tu pourras tirer deux fois. Exactement. Excusez-moi, je n'ai pas été attentif, professeur. Mais ce n'est rien. Monsieur le professeur. Tu es de quelle maison de base, toi? Hein? T'es de quelle maison de base? Moi j'ai pas de maison poisson. Maison poisson, merde. Attends, t'es vert? Oh putain, c'est un serpentard. Moins 10 points pour Serpentard. Bah non, t'es Serpentard là-bas. Bah écoute, pour le coup, bah il est jaune alors il est tout souple. Bon non, mais Poussou, ça existe même pas comme maison. Bon allez, alors, il tient de loin. Et c'est à 4 et c'est une réussite. T'es le seul à avoir fait en dessous de 4 jusqu'à présent. Je passe en 6. Le mec, donc. Je viens de le dire, hein. Voilà, tonton la table. J'ai rien contre Merriam. Je crois que on va pas passer tout de suite dans le jaune, donc avec Rogue. Ouais, calme-toi, non, Rogue. Non, mais voilà, on va se calmer. Fais des beaux points. En fait, c'est Rogue qui est possédé par le. C'est votre sang qui est chaud. C'est vrai. Moi, je te conseille de fouiller pour trouver des ingrédients pour tes potes. Il a vu la hache. Ouais, je sais. Ouais. Toi, ça aspire aide. Voilà, alors ça aspire aide. Alors, Spirel. Lui, peut taper des trucs. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une épée. Oui, il a qu'une épée ou pour. Mais pas, on peut fouiller dans la crypte pour avoir une arme. D'accord, alors je vais fouiller déjà là-dedans. Vas-y, s'il vous plaît. Je vais fouiller. Bah, c'est un zombie. Ah putain. Bah, bravo. Bon. Alors. Pas un zombie. Ouais, de toute façon, c'est pas une case complète, c'est lui, je peux l'attaquer. Ah, là, tu peux l'attaquer. Je peux l'attaquer. Bah, écoute, je vais essayer de me rattraper, je vais l'attaquer avec ma. Pour que je fasse 4 plus. Ouais, du coup, c'est voilà, c'est le moment d'être témoin. C'est pas témoin. J'ai encore une action. Ouais. On va essayer de pas faire le con. En vrai, de bien ça c'est. Bon, voilà, je me suis rattrapé de mon action. Et c'est bon. J'ai fait mes transactions. Donc c'est à Jaran, Mojane va donner band leader à. Sachant que vous, bah, je vais leur donner à Berbo. Hein. C'est marrant, on a l'impression que je joue perso. Excusez-moi. Ouais, c'est les perso, ils sont dans les... Est-ce que je fouille. Est-ce que quelqu'un veut l'arbre de crypte? Non. Non. On lance au dé entre toi et moi. Tu veux savoir si tu. Ouais, inférieur à 3, c'est toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 18. 4. Donc c'est toi qui aura l'arme de crypte. Bah en fait, il y a personne en haut là. Non. Donc je suis rentré. Bah je vais rester là parce qu'on sait jamais, parce que si jamais il y a un zombie qui va me sauter à la gorge, parce que là les zombies vont arriver. Mais c'est vont arriver les cons. Bon, bien Bauer du coup, bah bien Bauer il a deux actions. Bah, il va fouiller avec l'action gratuite. Non. Ah oui, non, c'est les zombies là. Chut, j'aime pas bien Bauer. Lui aussi il a décidé. Ah, les magiciens ont les haches. Apparemment, on a tronqué nos baguettes pour tenir haches. Et ça, ça se dit comment hache en poisson? Barbe. Ah merde, c'est chiant. Et puis du coup, j'ai fini. Et déjà, c'était un miracle. Attends, moi j'ai 4 actions parce que tu m'as donné une action. Il en faut bien 4 pour toi. 1. Là, tu rentres. 2. 3. Et je fouille. Tu peux pas fouiller dans une crypte. Ah. Bon, bah, je reviens là. Je fouille là. Et si tu fouilles là. Tu as trouvé un zombie. Oh. Une arbalète. Oh. Blanc. Du coup, c'est les zombies qui jouent. Ouais. Ton zombie. Alors. Moi, c'est ma demande. Hop là. Avancez ce. Attendez. Ouais, attends. Alors, eux, ils avancent près de la crypte là, les trois avec les autres au-dessus là. Ouais. Ouf. Ça commence à faire un paquet. Ça commence à faire un. Bon, on peut les déjouer. Oui. Le prochain qui joue, c'est toi du coup.
Ah oui, ton zombie. Ton zombie d'abord. Hein. Ah oui, ton zombie, oui. Bah, les zombies, c'est bon, du coup, ouais. Les pop, oui, c'est vrai. Là, c'était là d'abord. Là-bas, ouais. 3 le cœur. 3, je vois. Eh, là-bas. Eh, oui. Ici, après. Un walker. Un walker. Un walker. Et deux walkers. Oh, ici, deux walkers. Bien, c'est à vous. Et bien, c'est à vous, monsieur Grayson Gruber. Ouais, Grayson Gruber, il ne peut pas faire grand chose parce que s'il attaque les zombies de loin, ben on va passer au jaune. Est-ce que ça vaut le coup de passer au jaune maintenant, du coup? Parce que là, sachant que. De toute façon, on va devoir passer en jaune. On va devoir y passer. Hein. C'est vrai qu'on est tous loin d'être en jaune pour l'instant. Ouais, oui, ça, c'est vrai d'expérience. Il n'y a que. Rogue, il était là. Bien, on n'a toujours pas été là-bas. Mais oui, alors moi, ce que j'avais pensé, c'est reprendre Grayson et puis avec, je ne sais pas, avec Camara. Et après, vous avez une arme à deux ou pas? Ouais, t'as une arme à deux. On va splitter pour. Parce que. Il faut séparer. C'est vrai, ouais, on peut aller. Je vais au pire, Spearhead et puis Muriel, ils vont passer par là. Alors, je dis ça, mais il y a là aussi. Non, mais il y a la crypte, regarde. Ouais, on est là, il y a la crypte aussi. Donc il y a, alors j'ai une action de magie en plus mais beaucoup d'observer rien. Donc j'ai déplacement c'est toujours 3. Ah bah, c'est une action ouais. C'est une action. Ouais, donc une. Bah t'as les 3 hein. Ouais bah ouais vas-y. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, tu vas aller avec eux. Mais tu essaies de déjouquer. Déjouquez pas encore la porte. Au pire, mettez-vous devant, mais. Voilà. Ouais, parce que si on a une mauvaise surprise. Un mauvais tirage alors. Tu peux peut-être devant, il n'y aura pas de problème. Oui, en gros, il va jamais aller jusqu'à toi. À toi. Donc, moi avec Jeanne. Bon, Jeanne, je vais donner une. Bah, tiens, tenez mon char. Oh, je vous suis de gré, mais je suis pas sûr que ça se dise du tout. Et je vous le rendrai. Moi, je vais tirer les flèches en haut. Je vais tirer les flèches. Au début de la phrase, vous voulez rien dire. Non, mais il y avait la façon, il y avait la tension. Il y a un zombie qui bien joué. Ah, un zombie décédé. Non, c'est pas là-bas. Hein. C'est là-bas. C'est là-bas, dans la crypte. Voilà. Dans la crypte, ouais. La crypte. Enfin, dans l'auberge. La crypte. Crypte. Yes. Je dégomme encore un. J'ai le 2. Et je vous raconte. Et je vois une critique qui s'est fait à la tête avec ce bruit. Donc du coup j'ai fini avec Jeanne. Jeanne. Je vais jouer avec Birnbauer. Birnbauer va faire les éclairs. Blanc. Il est où le poisson? Il est dans la crête. Ah oui. Il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Hein. Pourtant on est à la même taille. C'est la grande avec le petit. Hein. Ouais, c'est ça. Birnbauer, tu as l'odeur du poisson. Oui, c'est vrai qu'il y a l'odeur. J'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre l'odeur. Il est parfait. Si qui dit que Birnbauer n'est pas parfumé? Oui. Qui dit que c'est pas Muriel qui pue comme ça le poisson? C'est vrai, c'est parfait. Oh mais le ménage du poisson. Du coup Birnbauer il va monter si quelqu'un peut le mettre à côté. Ah mais non, il y en a qui peuvent se moquer de lui à cause de ça. Hein. Non, mais on se moque pas des poissons. Et puis c'est fini, j'ai fait le tour. Blanc. Du coup c'est à Muriel. À moi. Bon bah je mets 4 3 actions. 1, 2 et 3 actions. C'est sûrement ton meilleur tour. Bon, oui bien sûr, mais évidemment je vais fouiller l'arme de crypte. Tu veux... Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Au pif. Je peux laisser. On va vraiment le truc. Wow, un cucri en os. Alors je peux ajouter plus un dégât et une autre arme de mêlée équipée. Je lance un dé, je dois faire 3 ou plus. Attends, c'était quoi le mieux entre le marteau? Ah oui, j'ai 5 dés avec la grande épée. Bon, le marteau, hein, désolé. Hein. Ça fait 2 dégâts si t'as des armes à 2 dégâts ou pas? C'est parce que si on tombe sur du gros. Ah non, il faut que je garde le marteau du coup. Ouais, donc, parce que nous on n'a pas d'armes. Ouais. Du coup, je le garde et j'ai le cucri qui donnera plus. Ah, bah attends, non, il donne plus un dégât à une autre arme. Bon, bah, t'as de la grosse épée. Ouais, du coup, c'est bon, je peux le donner à l'autre. Ah, bah, en fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il sait pas ce qu'il veut faire. Il est perdu. Je suis en pleine stratégie. Qu'est-ce que tu veux? Non, 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 y'a rien. Moi, j'entends rigoler. Justement, j'ai ma personne. Non, non, j'ai. Non, au contraire, je m'assure. C'est fait Toby parce que j'ai en marqué un truc en fait. La hache, elle permet de forcer les portes. Oui, mais attention. Bah, en fait, c'est vraiment une version de Rogue, une version Shining. Ah, c'est en violent. C'est vrai que nous, on avait 2 défenseurs de portes professionnels. Et bah, j'y sais, nous les lâches. Bah, du coup, je vais rejoindre le poisson, mon ami le poisson. Deuxième action. Mon ami le poisson. Vraiment, mon ami le poisson. Ah, pourquoi? Je pensais que. Ah non, pour une cible, ça aurait été Muriel, j'ai le pute de Muriel. Mais... Et non. Attention YouTube! Ah oui, c'est vrai! Oh, c'est censuré, oh mon dieu! J'ai parlé du poisson, pas dessus qui pue le poisson. Mettre un bruit de canard. Pareil. Et quelqu'un qui dit qu'il pue le poisson, hein, mais. Ouais! Ouais! Oh, c'est derrière, c'est une nef, c'est pas une nef. Un son de canard, parce que les canards sont. Oui. Mais un. Bah, prends le jus.
Si j'ai fouillé dans la crèche, je peux vous rendre Si tu peux, c'est... ça c'est. Bah, je vais le prendre. Bah vas-y, par contre, il faut pas que ce soit bleu. Si c'est bleu, c'est nécromancien. Ah, mais tu me dis comme ça, je peux pas le savoir ça. Bim, c'est rouge. 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 Et je vais donner une action à la personne qui m'a donné une action tout à l'heure. Et bien ça sera bien Bauer ou Jeanne. Et d'ailleurs, si j'ai encore une action, puisque j'étais à 4 actions. Attention au terrain, maître. Pardon, s'il vous plaît. Parce que là, il y a un tremblement de terre, là, il y a eu un. Bah, je suis gros, c'est bon. Non, c'est un tremblement de terre, je dis. Ouais, chaque mais c'est comme par exemple, j'ai bougé. Chaque pas du feu, en fait trembler la terre. Et chaque pas du feu est lourd de sens. Gros zombie, du coup. Gros zombie. Ouais. Alors, lui, bon là. Hop. J'ai Oh, j'ai... C'est... Et pop! Pop là-bas! Un walker. On va vous faire le générique à chaque fois. Ouais, c'est clair. Un walker. Un énorme... Ouais, pour pas se lâcher. C'était où? Là-bas. Double invasion. Ah, bah, ça sera pour... Ah merde, attendez, on avait... Bah, ça sera pour une zone de... Mets là de côté la carte de double invasion. Mais là, en dessous du... de la carbone. Bah ça sera pour la prochaine zone. Ah oui, ça peut être aussi. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Par contre, tu les as vu les cartes, mais là en dessous. Ouais, tu l'as vu. S'il te plaît. Parce que sinon, gâche pas la surprise. Ouais, non, mais en dessous, tout à la fin. C'est tactique de la Il est mignon, regarde, il est même pas dans le fond, il peut qu'on se tape les zombies dans la gueule. Il sait ce qu'il y a là-dedans, là. Il sait ce qu'il a vu. T'as vu, les elfes, ils sont fort bleus. Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai dit, mets-le dans le fond, il a mis le coup à moitié. Il fait chier l'elfe. C'est ta def à la con là! Merde! Oh! Pardon! Ah oui, merde! Ça commence mal, c'est un peu. Bip bip! Radio de canard! Bip bip! Dev de J'ai dû parler, voilà! Bon, ça va être du coup, là c'est moi qui commence, donc c'est déjà. Bah, Jeanne va donner son action, Born Leader. Ah, merci! Bah, t'as vu déjà? Ah, j'ai eu le cul! Mais jamais on te donne ça, je te Jeanne va aller à côté de Björn Bauer, s'il vous plaît, quelqu'un peut déplacer Jeanne qui est ici. Cette charmante demoiselle. Une, je vais fouiller. Comme il est. J'ai une torche. Oh, une torche. C'est bien ça. C'est bien si jamais il y a des amis de ville. Bah, si tu veux. Ou de fouiller deux fois plus. Ou de fouiller deux fois plus. Ensuite, je vais rejoindre une faux. Ah. Et puis c'est tout. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Non, là t'es dans la pièce à côté. Oui, c'est vrai que j'étais dans la même pièce. Non, il faut ton amour. C'est un coup de foudre. Maintenant, ça va être Björn Bauer. Björn Bauer, il va aller dans la pièce où il y a le duo. Je vais tirer dans le tas avec ma boule d'éclair. Des éclairs dans les deux endroits. Oui, oui, à côté de tes potes. Hein. Oh là là. C'est une réussite. Oh là là là. C'est une double réussite. Deux. Ils sont deux, ils réduisent ensemble. Hop. Parce qu'il y a eu un coup critique et je gagne 2 XP, je suis niveau 4. Et cette fois-ci, c'est à toi. J'ai réussi à enfin quelque chose aujourd'hui. Ouais, j'ai des éclairs en côté. Allez, on t'en regarde avec tes 3 actions. Disco. Ah ouais, 3 Le zombie là, il a vu les éclairs. Ouais, j'ai essayé de casser la porte, il me faut un dé. Ouais, mais tu vas pas y arriver. Hein? Il a raté son premier jeu, je vous le fais voir. Il veut pas le faire voir, mais voilà. Voilà, l'elfe. J'ai trop honte. Mais non, t'inquiète pas, t'en rends compte que quand t'as raté tes 3 actions, t'inquiète. Là, tu vas rater ta deuxième, y'a pas de soucis, vas-y, on t'en va. Voilà. Et regardez, apprenez à compter. 1, 2. Eh, ça c'est trop fort s'il fait 3. Ouais, apprenez à compter avec Biohazard. Allez, fais 3. Par contre, ouvrir les portes, non. L'objectif c'est 3. Non, mais non. J'ai pas regardé le score, mais. Alors maintenant, il le jette sur ses camarades. Bah, désolé, prends tes parties, Jim. Y'en a plus, t'inquiète, c'est bon. Il a raté ses 3 actions. Regardez les elfes à quoi ça sert. L'arrogance des elfes. Ouais, l'arrogance. Le poisson il pue. Et l'elfe il est en train de parler avec une porte. Il essaie non, mais vous avez pas compris, je suis allié des zombies. Ouais, vas-y, on va le faire bouffer. Faudra leur dire parce que même eux ils sont pas encore compris. Ça va, on trouve des cartes. Il a fait. Non, mais. Je tiens à préciser qu'il a jamais fait au-dessus de 3 depuis le début de la partie. Quand même. Non mais après je vais vous montrer mon vrai niveau. Ah ouais. Essaye de le faire avant la fin de la game. Tu nous as montré vraiment. Ah vous il faut mon cher. Oui bien sûr. Je m'en vais montrer la voix. Je crois que tout repose sur toi de notre côté, hein, sinon on est tous morts. D'un côté lui qui. Ah bah il va pouvoir envoyer. Ah Rod peut ouvrir la porte automatiquement. Et puis en plus, c'est rien parce que. Il essaye de passer dans le jeu après qu'on ait ouvert les criques. Qui est Ouais, même pour toi. Ouais, mais moi, de toute façon, voilà. Tu peux en tuer qu'un seul. Ouais. Donc j'ai 1, 2, et je vais juste essayer de le tuer. Si je le tue pas, c'est quelqu'un de vous qui le tuera. Pour le prochain tour aussi.
Ah, quoique on va. Bah non, parce que j'ai un délire. Ah oui, vous êtes. Mais tu as une action gratuite, n'oublie pas. Donc reviens en arrière. D'accord. Parce que là, tu as une, deux, et tu as mon action gratuite que je vais oui, j'ai ton action. J'ai aucune raison de me rater. Attends, on va multiplier les trucs, je vais lancer 5 dés pour être dans le piège. C'est pas c'est... un peu trop grand pour. Bon, écoute, on va voir. Hein. C'est... Là... Je peux pas faire pire que l'elfe. Faut faire combien en résultat? 5 plus. Tu peux te permettre. Oui, bah j'ai 5 dés aussi. Oui, bah j'ai 5 dés quoi. Bon. Ah, en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que je touche la boîte. C'est pour ça que ça fait malheur. Bah, je vais quand même retenter la grosse épée. Tant pis, on prendra des dégâts sinon. On est joueur. BIM! Il y a pas mal 3-1! Mais j'ai quand même un dé qui réussit, monsieur! Il y a quand même un tout petit. Voilà! Et sache que je suis un petit nain. Enfin, dans les nains, dans la hiérarchie des nains, je suis un petit nain en plus. Et quand même, les petites aussi, ça. Ta connaissance, non? Ça va. Elle sait ouvrir des portes. Si tu veux. Et donc, je vais donner. Il y a un des membres de l'équipe qui est ici. Non, c'est quoi me donner parce que je. Bon, là, de toute façon, on sait que ça sert à rien. Je vais donner à Spear Head. Je sens qu'il a besoin de. Voilà, de... Il a besoin de bouger. Bon, allez-y, Rox, c'est à vous. Allez. Je leur donnerai après la game, peut-être. Et il va. Bah, il casse la porte. Automatiquement? Bah oui, t'as pas besoin de lancer le pop. Ah bah oui, bah allez, le pop, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? En sachant qu'il y a double invasion. Ouais, il y a double invasion. Il y a rien. Deux cartes à tirer. Par contre, c'est pas des équipements, les ennemis. Hein. J'ai fait exprès, c'était pour voir si tu suivais. Alors, double invasion et un walker. Donc, Non, Fatih. Un gros. Et une double invasion. Et double invasion. Donc la double invasion sont ici. Ah oui, d'accord. Ouais, tu peux la remettre. Ouais, c'est là tu peux la remettre. Donc deux cartes à nouveau. D'accord. Est-ce que. Vas-y. Double invasion, un runner et double invasion. Et un runner. Alors la double invasion sera pour la prochaine ici. Ouais, ici là-bas. Garde la copie de côté, sans la regarder bien évidemment. Je fais l'action. Ah bah non, parce que si je rentre. Ouais, sans la regarder aussi. On sait que c'est une double invasion. Bon, c'est tout le monde. Ça a été fait là, on a fait les hommes. Tu peux faire un échange, je vais donner ta magie aspirée en attendant. Spirit pour attirer dedans avec sa magie. Oui, celle qui fait 2 dégâts. Ah d'accord, ok. Bah oui, tu vas pas donner 2 dégâts pour tuer un gros. Quand tu es un gros, il faut 2 dégâts. D'accord, ok. Bon, là, je vais lui donner le trait de mort. Il va le tirer. Et puis bon bah. Donc Rogue a fini son tour là. Ouais, Rogue a fini. Maintenant ça se Spirit. Et j'ai 4 actions, c'est ça? Il t'en a donné une, t'en as 4. Donc. Bah déjà lance-en un pour essayer de tuer le truc là, et après il faut que tu le remerdes. Okay. Donc, au cas. La magie. C'est pas un magicien. C'est pas un magicien. Ouais, là il y a l'excuse. Ah non mais là c'est pas du tout un magicien. T'es un bourrin. Ah bah non, voilà, s'il te plaît. 3 fois 1. Allez, tu t'en fous. Allez, ouais. Quelle sorte de succès dans le chat. C'est la team des poisseux ici. Yippee-ki-yay. On aurait dû peut-être encore en mettre un avec eux pour être sûr. Une sorte de nounou. Là, on est mal barré ici. Vous avez des armes à deux ou? Non. J'ai rien moi. Il y a des morts dans l'épisode 1 ou. Bon, on tuerait le renard. Hein, mais... Ah, les zombies. Ah, oui, les... Oh, c'est tout zombie. Ah, il peut avoir du friendly fire, mais attention. Hein. Oh putain. Oh mais. Et je comptais sur toi, ton TQ après. Non mais putain, non mais en même temps, on a donné. C'est Spear Head. Regardez la gueule qu'il a. Vous verrez pas, mais bon voilà. Regardez la tête qu'il a. Vous voyez vraiment que c'est quelqu'un on qui a donné, on a donné ce quand même vol de. Enfin, vol de mort. Vol de rogue. Rogue allemand qui a donné, hein. Nous on a rien dit. Hein. Tour zombie. Tour zombie. Ouais. Ah, donc la double invasion. Hein. Deux cartes. Hein. Oh putain. Je suis pas là, madame. Vous blessez pas. Rien. Si on s'est passé en jaune, vous serez mort. Hein, parce que j'ai vu là, ça avait une double activation. Et là, vous étiez mort. Là-bas. À droite. Abomination. C'est Gérard. Gérard. On va faire tuer Gérard. Ça, c'est un des objectifs de la map, c'est de tuer. Alors, Gérard. Les règles spéciales de Gérard, parce qu'on en avait vite fait parler. Alors, Gérard, les capacités, c'est que lui, en fait, il faut automatiquement une arme à 3 pour le tuer. Alors, soit une arme à 3 ou. Le cocktail molotov, enfin le cocktail molotov, la bille de dragon. Bille de dragon plus du coup. Et Gérard, quand il tape, il fait que un dégât, mais il ignore les armures. Ouais. Donc on peut avoir un bouclier, le Gérard il s'en fout. Bon, ça va bien pour l'instant. On en a pas. Non, mais ouais. Encore une. Donc vous voyez, Gérard est très énervé, il est très musculeux. Mais c'est qui ça? Les crocs. Eh bah c'est un dragon. Hey, on va ensemble.
Il a un accent italien espagnol, ne nous demandez pas pour passer notre roleplay. Le Négron ancien, les règles spéciales qu'il a en fait, c'est très simple. Déjà, il fait pop une zone, que vous pouvez voir sur la map. Une zone de pop. Et son but à Rodrigo, enfin le Négron ancien, il s'échappe, il doit s'échapper. Lui en fait, il cherche pas à taper les survivants. Bien sûr, s'il voit un survivant sur la route, il met un petit coup de bâton avant de partir. Mais son but c'est d'aller se casser. La zone de pop la plus proche. Donc c'est celle là-bas. Et du coup, quand la zone sera. Sa zone sera. S'il s'est barré, sa zone de pop devient définitive. Enfin, définitive. Et quand il meurt, on peut détruire une zone d'invasion. Et du coup, il y a une zone qui. Ça fait apparaître un zombie à côté de lui. Ah, la zone de pop la plus proche, elle est là-bas. C'est celle-là la plus proche. C'est celle-là. Alors on peut casser là-bas. Malheureusement. Mais ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là t'es à 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on peut l'intercepter, ça va. Mais on peut l'intercepter, j'ai l'arme dans la route, mais. Ouais. Faut pas mettre un zombie avec lui. Si, faut. Il y a une évasion, hein. Qu'est-ce qui pop avec lui? Là, ouais. Nécromancien. Et bien, il gagne un tour, il se déplace. Il se déplace déjà. Ouais, ça, il se rapproche de la tour. On retient encore un du coup? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'était une activation supplémentaire. Je sais que t'es allié avec eux, mais quand même. Donc, c'était qui avait joué? C'est toi qui avais commencé. C'est moi, c'est Meriem. Il essayait de taper quelqu'un. Bah ouais, j'ai attaqué le Brunet. Non, il va être obligé de taper. Et ah ouais, c'est que le gros. Non, c'est le corps à corps. Non, là, c'est le corps à corps. Non, il peut choisir encore. Avec mon épée. Il peut choisir. Il me faut donner. Ouais, mais c'est pour le tir. Là, il est au corps à corps. Tu peux choisir. T'as 2 dés avec l'épée. Ouais, non, mais j'ai pas un dé. C'est un dé de combat. Ah oui, Mais pas de dégâts, il est quand même un dégât. Ouais, mais le renard il fait un dégât. Ah oui, c'est pas un dégât, du coup il peut pas tuer Fatih. Ouais, 2-2. De toute façon, il a toujours pas fait au-dessus de 3 avant. Non, non, je l'ai pas tué. Non. Ah, tu l'as pas tué. Deux fois, tu l'as pas tué. Et il a toujours pas fait. Non, mais là. Encore une action. C'est allez, s'il te plaît, là, je t'en prie. Ah, ah, regardez ça, ce sera la seule fois, les gens. Voilà, pour un runner, après balancer le dé, enfin. Enfin, on découvre qu'il y a pas que 3 phases dans un dé. Bon, moi j'ai plus d'action. Vous, il faut. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez pas venir nous aider. Bah écoute, je crois que c'est ce qu'on va devoir faire parce que en vrai. Là, de toute façon, c'est vous deux qui allez prendre les objectifs là, ici. Moi j'avais déjà pris un, donc je vous laisse les objectifs. Ouais, bah, ouais, je vais commencer à retourner là-bas, mais. Bon, je suis genre en course quoi, hein, je peux pas faire. Par contre, faut essayer qu'on essaye d'aller dans la crypte là-bas pour. Au moins aller dans la jaune, essayer d'aller dans la jaune parce que. Passer dans la rue, puis. Au pire, on ouvre là et puis on essaie d'intercepter. J'allais ouvrir là, quoi. Ouais. Bah, si j'ouvre là, y a la boue qui arrive, là, c'est chiant. Fouille au moins une fois pour voir si on a une build, peut-être, et puis oui, on pourra lancer une torche. Sachant que moi, je pourrais. Non, je pourrais. Si je mets l'équipe avec le marteau, je peux tuer l'abomination. Ah, non, elle est. C'est plus 3, c'est plus 5 ouais. Dégâts. Bah, avec le cucuri. Le cucuri donne plus 5 dégâts. Il donne plus 1 si je m'équipe du marteau et je serai à 3 du coup de dégâts. Ah, bah, vas-y. Hein, donc, en gros, je peux tuer un coup de marteau. S'il y a besoin. Dans ce cas, j'ouvre là. Alors. Ça fonctionne comme ça, donc tu peux mettre les deux, ça peut faire du dégât. Donc, non, c'est pas parce que moi j'ai une arme spéciale de crête qui dit ajouter plus un dégât et une autre arme de mêlée équipée. D'accord, ok. Donc en fait, je prends ça. Moi je vais tenter d'ouvrir la porte, c'est quoi. Je l'ouvre. Ouais, attends un petit peu, mais on peut l'ouvrir automatiquement. Ah oui, sinon on a bien le pouvoir qui a une magie. Donc, bah je vais fouiller, du coup. Fouille, ouais. Ok. Et je gagne au cas où une arme balette. C'est 2 dégâts, je pense. Ah, celle-là. Ouais, en fait, c'est 2 dégâts. Quand tu fais du gros, c'est bien. Quand tu fais du gros, là, du fat fille. En fait, c'est vous qui avez les meilleurs stats. Bah, si, toi, t'as du 2 dégâts avec Spear, mais là, le problème, c'est qu'il risque d'avoir du Friendly Fire. Bah, écoute, on va pas bouger, quoi, pour l'instant. Bah, moi, je vais. Ouais, enfin, fouiller, mais moi, je vais rester ici en attendant. Bah, maintenant, c'est à toi. Attends, en tant que chef. Donne-le à des camarades là pour qu'ils essaient de le survivre au moins. Bah, c'est une camarade de qui c'est qui va prendre, qui va essayer de se taper à deux. Ça va être Spirit qui va garder. Ouais. Je vais donner un truc à Spirit. Moi, je donnerai à Rock, comme ça, il pourra peut-être faire un échange comme ça. On verra bien comment ça se passe. Dans une situation un peu critique. Bah, là-bas, donc ouais. Là, c'est à toi. Bah, je peux pas le donner. Je pourrais pas le donner. Bah, de toute façon, ça va être critique parce que moi, je vais attaquer peut-être ceux-là avec Rogue. Tu veux moi, ce que je fais, c'est que je fais. Pendant un tour, j'échange Rogue avec lui. Si tu veux, bah oui. Et ensuite, si jamais on les a pas encore tués, bah j'échange une nouvelle fois avec. Bah t'auras pas le choix de toute façon. Mais fais gaffe, t'as du Friendly Fire, tu te loupes, tu fais ça. C'est une action, ça te va, tu gagnes. Là, c'est une action, maintenant Rogue il en a plus que 2. Enfin, 3 parce qu'il a une action magique de ouais. Bon, bah ça va. Tout repose sur toi. Rogue, montre-nous ton. Attention, Friendly Fire, les gens, hein. Ça commence bien. 3, 1. C'est combien de dégâts? Bah, mais un Friendly Fire, il y a rien qui se prend 2 dégâts dans la vie. C'est un menton là. 2 dégâts, hein. Ah, c'est 2 là. C'est 2 dégâts, ouais, ça fait 2 dégâts. Ah, bah, bon, c'est mort. Mais non, regarde, prochain défi. Bah, vas-y, Spirel. Bah, là, tu peux plus tirer, hein.
Non. En fait, Rogue, il a marché sur sa carte. Oh. Avec un jeu. Ah oh, là, là. Allez, hop, on va espérer. Ah ouais, putain, c'est vrai, c'est Spear Head, il avait jump. Ouais, mais jump, il y a des zombies quand même qui te gênent, donc. Non, mais ne cherchez pas, c'est pas la même chose. Ça y est, merci. Alors, attends, c'est soit tu tues quelqu'un ou tu tues un zombie. Alors, tu fais quoi? Donc, je blesse Ressa. Ou tu... Ah oui, c'est vrai, tu peux blesser. Non, mais c'est Ressa, donc ouais. Attends, de toute façon, dans tous les cas. Spear Head. Ah voilà, putain. Non, non, c'est soit tu tues quelqu'un, soit zombie. Choisis ton camp. Il va mal, je vais pas prendre. Le dépasser. Non, il est devenu. Ça a la chance qu'il a été fait. Ah ouais! C'est bon, ils sont tous presque morts, mais ils sont sur 8 corps à tour. Et j'ai encore une action et je vais les utiliser pour essayer les éclopés, d'utiliser pour tuer les runners. La bande des éclopés. Attends, t'as échangé. Ouais. Tu rates. On joue, tu rates. Oh putain, tu... La chatte. C'est clair. Le tour zombie du coup. Hein. Le tour zombie. Alors eux, ils vont là. Ah oui, mais attends, s'ils ont un. Oh putain. L'abomination, c'est 1. Ouais, c'est 1 là-bas. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est foutu. Mais arrêtez de dire c'est foutu, non, c'est pas foutu. Mais non, mais là, maintenant, je te montre mon vrai niveau. Ça sera foutu quand vous réutiliserez la magie, mais pas du si moment, t'inquiète. Non, mais là, je te montre mon vrai niveau maintenant. Ah, attendez, moi, j'ai pas joué. Non, c'est pas grave. Bah, vas-y, j'ai pas joué, c'est pas grave. Ah, si, vas-y. Non, mais on a fait dépasser les zombies. Ah, non, on a que fait que cela. Je me mets là. Voilà. Et je donne l'action à toi, c'est le moment qui a commencé cette fois. T'as vu, pour un coup, je suis généreux avec toi. Merci beaucoup. Bah d'ailleurs, c'est chiant que ça. Dis merci à Jeanne. Hein. Là, tu peux dire Jeanne au secours. Jeanne au secours. Oh, c'est bon. Tour zombie. Tour zombie. Bon, j'en ai déjà déplacé tout le monde là. Donc alors, là-bas là. Là, tour. On est encore dans le bleu. Hein. Une abomination. Bah, Gérard se déplace. On aurait pu mettre un autre Gérard parce qu'on a double Gérard, mais là, c'est pour le scénario. Et là. Oh putain. Double invasion. Donc, double invasion là. Donc, double invasion ici. Un walker et un fachi. Et du coup, la zone du nécromancien, qu'est-ce qu'il fait pop le nécromancien? Il a un tour en plus. Un runner. Un ticket restaurant. Un ticket resto. Et bien maintenant c'est toi. Je crois que c'est moi qui commence. Et là, c'est toi qui m'arrache pas. Ça aurait été mieux que je commence pas. Mais... Bah là, on peut tuer Jean-Pierre. Hein. Par contre, on va passer dans le champ. Il faut ouvrir la porte. Hein. Ouais. Après, nous, on a une hache. À moins que tu veux patienter, mais. Par contre, après, il va falloir prendre des objectifs, donc il faudra faire très attention. Il faudra essayer de trouver le bleu avant. Là, si c'est mon tour, je peux pas et ouvrir la porte et tuer le bleu. Hein. Au pire, essayer de ramasser les objectifs si on tombe sur le bleu, parce qu'il y a déjà le nécromancien et l'abomination. Donc, du coup, là, on n'a pas de risque de choper un. Ouais. Il faut croire à RNG. Je vais aller chercher le plus loin de ça. Ouais. Un, deux. Par contre, je passe en jaune. Bah, de toute façon, et je fouille et c'est pas le bleu. Donc, tu as une action supplémentaire. Tu peux encore fouiller, hein. Ouais, on a le droit de fouiller en tout cas. Ouais. Et je vais refouiller cette fois-ci, du coup. Tu veux mettre des cartes, s'il te plaît. Mais disons que j'ai. Eh, mais vas-y En fait, c'est moi qui construis les arbalètes, en fait. L'arbalétier. Bah, il y a tellement de tables, Si quelqu'un veut les arbalètes, il vient vers moi et il est joué en dedans. Il faudrait peut-être qu'on ait l'occasion de venir. Bah pour vous, je vais pas vous donner des choses, je vais vous donner de l'espace. Ah, vous, monsieur. Attendons, je vais donner une action. Donne-le à eux parce qu'ils sont dans la merde. Hein, donc, Ouais, alors lui, il m'a pas trop impressionné, je vais le donner au vrai magicien qui espère. Donc c'est à elle, tu auras le. T'es une déception, personne. Bon, allez. On va essayer de jaune, on va utiliser la hache, on va essayer de dégommer le maximum de zombies. On parle bien de zombies. D'abord, on fait une action. Hein. Voilà. Bah, je vais. Ouais, t'es à quel niveau Je suis là, tout là. Non, je vais regarder au niveau en fait. Ouais, t'es 6. De toute façon, on est tous en. Là, on passe en jeu. Ouais, c'est quoi 4, je veux dire en. J'ai tué. Allez, obligatoire. Et de 2. Voilà. Ça qu'on veut voir. Et plus fort encore à 4. Voilà. Et du coup, tu as une action. C'est vraiment pas mal. Une action en plus, bah, je vais utiliser au moins Free Magic Action. Vas-y, tu veux l'action, elle est sur le moins. Eh bah non, bah, il est plus fort encore à 4. La magie est nulle, hein. C'est bizarre hein, quand même. T'es sûr que t'as mis les bonnes stats en magie? Eh, t'as mis encore une gratuite, oublie ou pas? Oui, oui, c'est vrai que j'ai encore une. Bah, je vais essayer de le rebuter de loin. Hein, il y a eu une potion de mana. C'est pas mal. Il a bu la mauvaise potion de mana. Il y avait pas assez de. Ah non, mais c'est. Il a pas assez de points de magie. Par contre, en vrai, vraiment, le zombie là-bas, il. Bah, vas-y, t'es moi, là. Spear N, t'as 4 actions. Ouais, t'as 4 actions avec Spear N. N'oublie pas, tu peux sauter si jamais. Voilà, il est incroyable. Spirit, c'est un mec. Là, en fait, il y a une version. Un guerrier magicien. Je vais rentrer, je vais prendre l'objectif. De toute façon, t'as pas d'autre choix. C'est pas le bleu. Passe à 9. 1, 2,
9. Okay, et je vais défoncer la porte là pour. Ouvrir ça. Pour la crête, bah, vas-y. Pour la crête. Non, non, là c'était bébé. Hein, c'était bébé. Ah, merde, attention. Là il serait là. Il y a quoi qui allait changer cette. Comme ça, ça m'ouvre automatiquement la porte. Non, là par contre, moi je suis en train de. Et c'est, je pense. Il n'y a pas de zombies qui popent dans les crêtes, donc ça. Eh ben non, elle ah, va non. Alors t'as tapé, t'as avancé. Ouais, c'est vrai, il a tout fait. C'est Ajahn. Bah, Ajahn va prendre l'objectif. Ouais, j'ai. Attends, j'ai. Ouais, j'ai... ouais et j'ai l'objectif qui est bleu. Ah, c'est le bleu, c'est bon, ça pop pas. L'objectif un, bleu. 2, 3, 4, 5. Et donc, du coup, maintenant, il ne reste plus que deux objectifs. Et au moins, tu es Gérard et Rodrigue. Alors, quoi, du coup, on a une équipe qui est. On passe d'aller vers les oui, l'équipe qui a que 3 PV en oui, 3 personnages. Vous allez vous en sortir maintenant, c'est bon. Je vais fouiller avec Jeanne. Il voulait pas me donner. Oui, bah, il est avec les zombies, on le sait, depuis le début. En plus, il a pris la deuxième carte. Hein. Vitesse, je peux faire courir les gens, c'est bien. Ah, nice. Ah, d'ailleurs, j'ai une deuxième carte, j'ai une torche, j'ai pas fait il va falloir défoncer la porte pour attaquer comme ça. Même Gérard, on lui défonce. Bah, explosion de mana, j'ai une magie ici. C'est bien, j'ai des parchemins pour l'autre à côté là. Oh, magie. Je vais rien faire, du coup, je vais rester comme ça avec Jeanne. Je vais donner avec elle. Bah, tiens, comme ça, t'auras encore une action supplémentaire. Bon, merci, ils sont gentils aujourd'hui. Bah, écoute, t'es le seul, t'es le dernier qui joue, donc pour le moment. Sûrement. Et c'est la porte. Gerboer va me donner un. Donne-moi, je vais fouiller. C'est repoussé, ça, ce qui est très très bon comme sort. C'est vénère, ça. C'est très vénère, c'est très très fort. De toute façon, on boule la bouche, les cartouches. Et voilà, exactement. Je pète un coup, ça fait peur. Et puis c'est tout. À moi, du coup. Bah là, c'est la dame Marianne. J'avance, j'essaie d'ouvrir la porte. Est-ce que j'ai un objectif ouais, aujourd'hui c'est un, peu le c'est un peu le combat de Marianne depuis le début. Hein. Non. Ah, oui, oui. 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 Peut-être que je te donnerai des actions maintenant. Du coup, il m'a assis mon action 2. 2 et puis les deux gratos qu'on t'a donné. Attends, tu as avancé et tu as avancé. Ouvrir la crypte, ouvrir la crypte peut-être. Alors, tu as les deux gratos qu'on t'a filé. Ouais, et puis tes deux. Là, il m'a assis genre 3 actions. Ouais, t'as 3 actions. Donc, je rentre. Oui, la crypte. Tu veux la crypte? Ouais. Je vais faire aussi tout, je crois. Ah, bah là, c'est trop tard. Une par crypte. Moi, j'ai fait la bégolette il a fait la. C'est quoi que t'as? Arbalète lourde. Ça fait 3 dégâts, je crois, l'arbalète. Ouais. Ouais, elle est très vénère. Ouais, tu j'équipe. Non, mais voilà, bon, attends, si vous voulez, vous pouvez ouvrir la porte. Hein. Ouais, vous pouvez tenter d'ouvrir la porte. Mais bon, ça dépend ce qu'ils vont mettre sur la gueule. Hein. Bah, t'attends. Donc, je prends le risque de l'ouvrir ou j'attends? Bah, après, le Grimdor, ça dépend ce qu'il va pop derrière la porte. S'il y a des réserves, c'est mort. Donc, Bah, j'attends là. Ou je vais revenir ici. Ouais, quoi qu'il arrive, c'est derrière. De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un dans la crypte, ils sont tranquilles. Même si on est plusieurs, c'est le renard, il fait 1, tape, et puis après, il va. Ouais, bah, reviens en arrière. Il a encore combien d'actions hein? Il m'en reste encore une. On reste solo dans la crypte. Ouais, du coup, j'en sais pas. Donc, du coup, maintenant, c'est pour Zonzon. Pour Zonzon. Le prochain qui joue là, après, c'est qui déjà? Antoine. Donc là, maintenant, c'est les zombies. Donc là, hop, zombie ici. Lui, voilà. Là-bas. Ouais, c'est plus court. Ouais, bah, nous, on va l'intercepter. Tu vas croiser Gérard, bonjour. Hein. Gérard, il est tombé. Une rencontre en versant. Une versante, la rencontre. Alors, le pop là. C'est jaune. Ah, ouais, c'est jaune, il y a des actions supplémentaires. Ah putain, mais oui. Jaune, deux fatis. Deux gros là. À la droite. Deux fatis. Bah, dis donc. Mais dis donc, ils sont de même mot. Il y a un nouveau fast-food parce que. Là, c'est deux cartes là, ouais. J'ai glissé. Ouais, là, il y a encore deux cartes. Là, sans deux morts en une. Un runner. Ici. Ouais, apparemment, c'est le quartier de ceux qui courent ici. Et l'autre, du coup. J'espère pour toi que c'est pas. Nécromancien. Bah, il gagne un tour. Ouais. Il va être déçu bientôt. Bah, là, on va voir la porte et puis on lui fout une benne. Hein. Ouais. Bah, le problème, c'est que moi, je peux pas. On va réfléchir à une stat. Parce que là, c'est con parce qu'il y a Gérard. Moi, je peux tuer Gérard. Mais... Point stratégique. Point stratégique. Bah, attendez qu'on finisse le tour zombie. Ouais, mais... Bah, le tour zombie, il finit. Mais il finit, c'est hier. Donc, on va faire une transition. On va faire un petit point stratégique. Piqué pour la santé. Elle est grosse votre épée. Ouais. Comme ma queue. Donc on va aussi donc ces camarades nous avons fait un petit point stratégique. Alors en vrai on aurait pu vous le laisser pour. C'est vrai. Mais c'est bien pour vous laisser un peu de suspense pour voir si on a bien réfléchi ou pas. Puis comme ça si on se rate on dira. On va essayer de buter celui-là parce que vraiment moi les. Là il m'inquiète là celui-là parce que je m'en rends. S'il te plaît. 3. C'est un 3. C'est un fameux 3-20.
Tu tapes avec quoi? Si, si, avec ma hache. Ta hache, d'accord. Voilà. Ah ouais, parce que voilà. T'as vu qu'en magie t'étais pas fou. Donc, ah ouais, mais puis le pire c'est qu'on va retenter la magie, allez, let's go. En plus t'as une free magie. D'accord, deux actions. Hein, ouais, il a la free magie. C'est encore deux actions, ah ouais, plus la free magie. Un forfait magie free. Non, ah, bah là il tue. Ah, ah, quand même. Il y a une promotion. Ah, attendez. Ouais, ah, maintenant c'est 2-6. Non mais il devient le dernier magicien. Je vais. Bah, t'as plus d'action, c'est Spirit, c'était moi là. Non, c'est donc Spirit de son côté. Iron Maiden. Iron Maiden, ouais, exactement. Non, Eddie, il s'appelle Eddie. Eddie va fouiller. Eddie fouille les poubelles. Eddie fouillon. Fouillons la poubelle. Fouillons les poubelles, bah oui, littéralement. Oui, oui, oui. Et nous sommes témoins d'un. Décidément, quoi, du coup. De la foudre. J'ai de la foudre. Voilà. Décidément, le vrai mage, hein, parmi nous. Ah bah là, il y a pas mal de parchemins aussi. La foudre, c'est plus faible. On pourrait ouvrir l'école de magie. Hein. C'est plus faible, mais t'as plus de distance en fait. Ah non. Ouais, c'est ça. C'est ça, 0-3 en fait. Et à moins que je peux me déplacer vite fait pour échanger avec. Après, tu dames laisser une dame derrière tout seul dans la crypte. Bah ouais. Bon, ouais, est-ce que après, j'ai envie de dire! Dame Ariel, elle se sent seule! Mais pas comme ça, toi! Ouais, Dame Ariel, à part. Ouais, elle va trébucher sur sa robe et puis c'est tout ce qui va se passer. Bah, après, j'ai voulu robe, toi! C'est après, non, sur la robe de Rand, ah, que là, attends, pour moi! Techniquement, donc, bah, j'ai 5 actions! Bah non, mais t'en as plus 5, t'en as plus 4. Ah oui, bon, ah oui. On t'a pas donné le match, je veux dire, j'en ai 5 comme j'avais 5. Non, 4. 4. Là, j'en ai perdu une, ça fait 4. Non, 3, parce que t'avais pas le leader pour me donner à chaque fois. Ce que je peux faire, c'est rentrer, défoncer la porte si je peux y arriver, et ensuite, bah, repartir. Oui. Si tu vas repartir ou rester avec ton pote, donc. Je rentre. On risque. Bah vas-y, on s'en fout. La dame Mérieuse. Non mais ça va, oh. Je vais le voir, on l'a écrit, on va laisser. Ouais, je dois te dire que vous allez bien ensemble. Ah oui, tout à fait. Spearhead et Dame Derrière font un bon coup. Ouais. Ouais, il va falloir séparer les portes la prochaine fois. Bah tu quoi, j'en reviens. Il veut pas ouvrir la porte. Bah non, là c'est... On est donc face à une équipe bloquée face à des portes. Non, je préfère mieux... Bon là c'est à moi du coup. Ouais. Bon, voilà, on a un focus sur une équipe un peu au moins un peu débrouillarde. Oh, je casse la porte d'une équipe pourrie. On est à une équipe de nationale, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est ton genre d'Albuck en fait. C'est encore, t'as le culot de taper l'équipe nationale. Ouais, je vais laisser, ouais. Foudain, c'est le comme de donjon d'Albuck. Ah, mais quelle horreur, mais ta gueule. Non, je recommence parce qu'on parle tous en même temps à faire attention. Hop, je casse la porte. Oui. Je vais ici. J'ai encore deux actions. Ouais. Alors moi, je... Non, une action, parce que lui, il est bleu, lui. Oh, le bleu. Si je tire, c'est la boue qui passe en premier, donc non. Moi, j'ai envie de tenter, parce que... Non, c'est le renard. Je vais tenter le renard, parce que le renard, il va me tomber dessus, tant pis, on perdra peut-être quelqu'un. Ou je fais repousser. Je peux repousser. Repousser quoi? Tu peux repousser. Bah, le gros, je pousse le gros. Tu peux repousser le gros. Okay. Et puis, je pourrais tirer après. Ouais. Tu peux faire ça. Ouais, c'est que parce que en soi. Bah, du coup, on repousse la mort de la boue d'un tour parce que je vais plus avoir qu'une action pour le tuer, je pense. Ah, faut que ça soit une portée de 1, donc non, je peux pas. Je peux éventuellement pousser le renard. Oui, ça veut bien qu'il va. Mais problème, le renard, c'est qu'il va aller quelque part par là. Là, la zone où il y a plus de bruit. Bah, c'est pas grave, justement, ouais. Vous allez avoir moins de zombies, on doit les attirer. Disons qu'on gère. T'es sûr de toi, tu veux que je pousse là? Mais actuellement, on est en train de gérer plus de menaces qu'eux. On a plus de menaces à gérer qu'eux. De toute façon. Par contre, j'ai plus d'action, moi. Il va venir là, il va venir ici, moi j'ai une hache, je lui défonce les ailes. J'ai plus d'action, moi je peux plus taper. Hein. Bon, bah ok, on va faire ça. Ah, pousser, voilà. C'est mon action prompt. Donc maintenant c'est à Jeanne. Jeanne Fenwaiti. Jeanne au secours. 1, 2. Bonjour. Et j'ai pas de tir, bah je vais essayer de tirer sur Rodrigue là-bas. Alors j'ai encore 2 actions. Allez, on y croit. J'ai flèche en pagaille au cas où. Oui. Le suspense. Bien, non. Oui. Quatre. Oui. Quatre. Il est mort. Ah, Maquet, il est mort. Maquet, laissez-moi. Alors, on détruit une zone, on a dit. On détruit laquelle, du coup? On avait dit que c'était. Si on va rattraper les potes. Les potes, voilà. Ok. Parce que là, en fait, quoi qu'il arrive, il y en aurait encore deux. Donc, c'est chiant. Mais voilà, ça va, je pense que ça va se faire. J'ai encore un tir, je vais prendre le risque. Ah non, là par contre c'est le gros qui passe avant. Ah non, attendez, je vérifie vite fait l'ordre des priorités. Eh oui. Non, c'est bon, le gros passe pas avant. Ouais. C'est pas comme Zombicide Invader ou Zombicide Invader. Invader. Bon, je vais tenter de tirer, si je lui mets une flèche dans le cul, je suis désolé. Par contre, j'ai flèche en pagaille, donc je pourrais vraiment... Ouais, tu peux... Vraiment, tu lui envoies. Voilà.
Et je vais donner mon action gratuite. Alors, Dame Meriel, tu es là. Tu veux ouvrir la porte ou pas? Ouais. Bah, vas-y, garde un jeton que je t'ai donné. Merci. Ou. Ah non, non, plutôt non. Non, non, je vais pas te le donner, ouais, je vais le donner à UFO. Parce qu'on sait jamais. C'est juste au cas où je rate les dés sur la boîte. Ouais, ouais. Ouais. Bah, voilà, écoutez, c'est bon. Donc, j'ai passé. Bah, j'ai pas monté mon. T'en as tué deux, donc 10. J'en ai tué qu'un avec elle. Hein. Ah, un seul avec elle. Oui, c'est avec. Il a tué rien du tout. Il a rien tué du tout. Ah si, elle a tué Rodrigue. Ah, oui. Donc elle a dit, excusez-moi, vous avez suivi. Donc c'est à qui? Maintenant c'est à Dame Nariel. T'as vu, même si tu nous aimes pas, on te respecte dans ton tir. Ouais. Bon bah allez, j'ai pas dit, on va essayer d'ouvrir la porte quand même. Oui. Un peu lui, il a une arbalète à 3. Alors, lui il a une arbalète à 3, il peut tuer des gros à distance. Oui, c'est vrai, bon au moins ça va. Vas-y, fais le pop. Deux pop, il y a deux pop. Il y a deux pop. C'est une salle entière, c'est une case entière. D'abord dans la grande salle, montre-nous ce qu'il y a dans la grande salle. C'est quoi? Trois walkers. Trois walkers. Ici, on a c'est en jaune, hein? Ouais, jaune. On a vraiment de la chance. Easy. Attends, c'est pas fini. Easy. Et là, c'est quoi ici, ouais? Nécromancien. Oh là là! Ah, d'ailleurs, le casse-couille. Le casse-couille. Il va passer qu'on parle avec tous les milliers de l'auto, là. Bon, il va bien être déçu qu'on s'enfuir parce que. Ouais. Pour s'enfuir, il va trouver des héros. Un fachi. Ben, il peut pas être un gros. Bonjour. En plus, tu peux tuer. Tu as encore une action ou pas, toi? J'en ai encore deux. Tu as encore deux? Vas-y, essaye de tirer par en haut. Ça se passe comme ça tirer. Bah, bah tu peux, c'est ça, juste 0-1 là, la grande pièce. Là, il me faut 2, 3 dés. Bon, là, si tu te loupes, t'es une F, normalement 3 les armes. Allez. Normalement, les armes à distance, tu connais. Fais nous honneur, allez, fais honneur aux elfes. Magnifique. Prenez ça en photo, les gens. C'est vrai que dans les forêts, il n'y a pas de porte. Et donc, ça pouvait expliquer les difficultés qu'il y avait. Non, bien joué, bien joué. Bien joué, dame. Je suis content. C'est bien l'action. Voilà. Peut-être t'auras une action de ma part à la prochaine fois. Ça, je peux me mettre là, mais est-ce qu'il va me toucher si je. Ah, bah il peut taper, si Fatigue gagne le tour, t'es mort. Bah, je reste là-bas. Ah, oui, c'est vrai que toi, t'as plus qu'un PV. Ah, là, c'est l'équipe des 1 PV. Oui, c'est vrai que c'est l'équipe. Moi, c'était trop facile pour eux en fait avec 3 PV. Bah, donc, nous, attends, attention, on peut faire gaffe parce que nous, on va se faire. Parce que là, on va. Alors, moi, du coup, il faut que je prenne une action pour faire ça déjà. Ça, j'ai pas. Le Born Leader, tu peux te l'automettre aussi. Ah bon? Oui, bah oui. Tu peux l'automettre? Normalement, oui. De l'automètre. Donc déjà j'ai dépensé une action, donc j'ai encore 4 actions parce que j'ai dépensé l'action de Bordeaux. Ah non, c'est un autre survivant, donc non, voilà. Bah, donne-le à quelqu'un pour le prochain tour, donne-le à l'équipe APV. Je vais faire l'effort de donner un mérite. Ah oui, non, tu veux. Bah après, est-ce que t'as une arme qui peut tuer en deux? Bah lui, j'ai une arme 2-3. Bah lui aussi, une arme à 2. Non mais j'ai été vraiment mesquin avec. Voilà, oui. Depuis que j'ai compris que c'est parce que les portes c'était pas dans les forêts et que c'est normal qu'ils puissent pas les détruire. Merci. Tu aurais pu me le. Oh mais je voulais prendre le. Okay. C'est la bosse. En fait, ça fait plus ici que là en fait. Il y a une caméra aussi. Je savais pas que j'étais filmé. Donc du coup maintenant, 4 actions, bah du coup j'en dépense déjà 2 pour venir. Et là tu cites qui tu veux au corps à corps. Ouais, bah je situe. Cible Gérard. Parce que j'aime pas son nom. Faut quand même que je fasse 4+. Hein. Et... T'as 2 actions. Mais jusqu'à présent je me suis bien débrouillé. C'est une belle ça, on prendra qu'un peu. Ah bah il y a eu un premier échec. Ah, est-ce que ça va être vous? On doute du nain, quoi, vraiment. Bah, tu Gérard, tu gagnes 5 points d'XP. Voilà. C'est vrai qu'on a oublié de préciser, une abomination le gagne de 5 points d'XP. 5 points d'XP, comme les objectifs quand on les retire. Sauf les nécromanciens. Et les nécromanciens qui est considéré normal. Du coup, là, on se prendra une baigne. On se prendra une baigne, on fera un dé. On fera 2-4-6. Enfin, 2-4-6. Exactement. Par contre, toi, tu seras au milieu, tu seras 4-5. Moi je fais 1-2, toi tu fais 3-4 et moi 5-6. Ouais, putain. Parce que si je peux aller là, j'ai potentiellement plus de chances de prendre une main, tu vois. À ton zon, du coup. Ton. Carrément que, attendez, c'est bon. Moi j'avais joué. Ah, ils ont joué, eux. Non. C'est toi qui as commencé. Donc le prochain qui commence, c'est moi. Donc là, on se prend une baigne. Pour qui c'est qui se prend la. Alors, 1-2, Garbower, 3-4, Ulfo, 5-6, Jeanne. C'est Ulfo. Désolé, Ulfo. Ouais, y'a pas de soucis, monsieur. Alors, maintenant le runner. Donc le runner, c'est il, un il dur. Va aller vers le zone où il y a plus de bruit, du coup il va ici. Donc eux, ils se déplacent. Bah, eux, ils vont là. Ouais. Ils vont là. Bah, où est-ce qu'on arrive? J'y vais dans une crypte. Et du coup, vas-y, fais les pop. En haut. En bas. À gauche. À droite. Double invasion. Double invasion. À droite. Là-bas, Oui, celle-là, c'est la dernière. Et on va faire en dernière. Un Fatchi,
Enfin, deux fatigues en tout. Deux fatigues. En niveau jaune, décidément. Et là, c'était en double invasion, du coup. Ouais. Et du coup, là, ici, là, là du coup. Encore double invasion. Non, c'était juste celle-là en double invasion. Deux walkers. Ouais. Gardien. Ouais. Et maintenant, le micro ancien. Le micro. Tous les walkers standards gagnent un tour. Ah, une action supplémentaire. Il y a une benne qui se prend, bah, je vais me prendre une benne. Vas-y, viens, Bauer. Bah oui, ils vont là, ouais. Bon, on a été braves, mais non, maintenant, forcément. Non, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait, ah, là, je... Et puis, il y a un renard juste à côté. Ouais, le renard. Bah, juste, ouais. Ah oui. Non, non, non. Est-ce que c'est bon, j'ai la sensation que c'est vous, maintenant, qui est un peu. Non, c'est vrai, on a pas des fétiches, ça va. Moi, je vais les pousser, ceux-là. Ok. Ah, quoique, attends, je vais plutôt utiliser toutes mes actions de corps à corps, je vais essayer de goûter. En plus, si j'ai la grande épée au cas où pour faire un ménage, s'il y a des corps à corps. Je pousse peut-être. Hein. Après, j'ai des chaînes d'éclairs, moi je peux essayer d'électrocuter les gens. Ok, parce que la grande épée, je, moi je tue à 2, mais c'est au corps à corps avec 5D. Et toi, c'est quoi, est-ce que ça combien la chaîne d'éclairs? 1 et 2D pour. Comme tu veux. Ah ouais, non, c'est le fatigue qui passe avant, donc je pourrais pas. Bah, je vais faire quand même une action, je vais le pousser, hop, je vais pousser les E2. Comme ça, alors, éventuellement, si tu veux à la portée, tu pourras tirer. Et je vais essayer de trancher à ma hache. Donc là, il me reste deux actions. Bah écoute, autant utiliser tous les dés, hein, si jamais. Un coup critique pour le runner, un dégré. Un des walkers, c'est ça? Ouais. Et je suis aussi ça. Maintenant, c'est à Jaran. Jaran, je vais donner mon action. Je vais vous le. Mais tu m'as je vais te le donner à toi. Non, c'est moi qui t'ai donné. Tu. Oh non, c'est même serré la main. Ce que je vais penser, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit tour. Je vais mettre au mana parce qu'il y a 3 de plus. Et je pense que Grayson va rester là pour essayer. Et là, je vais le donner à Spirit, comme ça il échangera. Magicien. Du coup, maintenant, c'est à Jeanne. Allez, Jeanne, montre-nous. Bah, Jeanne, là, déjà, j'ai du corps à corps, donc il va falloir que je fasse attention. Bah, attendez, un échange. Parce que j'avais oublié que j'avais une épée. Ah, d'ailleurs, au début, j'avais oublié en fait. Alors maintenant, j'ai échangé, il me reste 3 actions. Allez, Jeanne, tue quelqu'un. Oui. Tiens, pas. J'ai demandé. Pour Orléans. Vous avez ce que vous changer, on avance ou pas du coup? Non, on va pas la laisser tout seul parce que c'est fatigué à tour, elle va se faire dégommer. Non, elle va rester là. Elle reste au pire avec les potes. Voilà, moi j'ai fini. J'ai essayé d'attaquer les deux là. Oublie pas, je crois que ton arbalète, tu recharges pas ton arbalète. Il a rien de dit. Non, bah il la recharge pas. Bah vas-y, tiens. Tu lances 3D. 3D. J'ai 4 actions. Ouais, il a le. Ah oui, il l'a pas utilisé tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est ce que je lui ai donné. J'en tue un. Ah non, il y a déjà 4 actions de vote, bah c'est le gros qui passe en. Ouais, moi j'avais donné le Barney d'or, donc il y a 5. Et maintenant, ouais, t'as encore 3 actions. Encore 4. Le Gérard. Ah non, mais non, il est en bleu avec Myriel. Ah ouais, j'ai pas fait oublier ça que Myriel avait en bleu. Bah c'est bon. Bah il détruit une zone, hein. Il détruit quelle zone de quoi? Celle-là. Bah celle-là, comme ça, l'objectif est. Ça, l'objectif est sécurisé. Là, il est clean. Bah allez-y, maintenant, vous pouvez monter. Non, c'est du speedrun, quoi. Ouais, c'est du speedrun. Du coup, il marche 2 actions. Bah je prends celui-là. Bah vas-y, ramasse. Et du coup, tu passes en jaune. Oh, il y a rien aussi. Il y a que Ben Bauer qui est dans le bleu. C'est vrai. Ouais. À toi, Ben Bauer. Il faut. Je ressemble à un poisson, c'est ça? C'est parce que c'est la taille, c'est... Tu confonds les petits, c'est ça? T'es loser. Ah bah... Faut bien jouer. Bah j'ai deux chefs de guerre, déjà. Je crois que je vais lui redonner à Myriel. Bah garde le chemin. Comme ça tu pourrais pour finir. Faire enfin, une musique. Bah donne-le à Spirit. Spirit il peut sauter. Il fait 1 et puis après il saute comme un con jusque là, il le prend, on a fini. Hein. Oui, ouais, fini, Spirit. C'est vrai, mais attends Spirit. Non, bah, même le ok. Il a 5 actions. Voilà. Ouais, non. T'en as 4 pour le moment. 4. C'est 5 si on donne à. 2, 3, 4. Ah oui, 4. Donne-le à Spirit. Spirit est plus proche de. Spirit, pas mal. Bah oui, il y en a deux du coup, bah Spirel, tu vas les couvrir. Et puis bah, je vais rien faire d'autre. Bah vas-y, Spirel, je joue Spirel, bah je bah ouais, Spirel alors. 1, 2, 3, et j'en prends 4. Grâce à Jump. Hein. Bon, le Jump, après, c'est vrai que on s'en est pas beaucoup servi. Ouais, non, clairement. Ouais, il a pas sauté aux anciens. En temps, il s'était bloqué devant une porte pendant 3 tours. Donc, du coup, 5 points, 5 points quand même, mais XP, c'est quand même XP. Et ça, c'est la fin de la partie. Je suis avec lui. J'ai un peu d'objectif parce que quand on était dans le groupe tout ça, à se craper un peu le cul. Au début, ouais, il y a eu une petite tension là-bas. Ouais, là, c'était chaud. Là. C'était une petite Twingo dans une côte qui galère à monter.
Et là c'est bon, ça c'est. Ça va, juste sur la fin, ça c'est équilibré. Eh bien écoutez, pour cette fin d'épisode, alors du coup maintenant nous allons faire une annonce. Eh oui. Eh hey, vous ne l'avez pas vu. Parce que vous l'avez pas vu venir. Du coup, alors je vais pas expliquer qu'est-ce qu'on va mettre en fin de vidéo, je vais le dessiner quand je vais monter la vidéo. Nous allons vous laisser le choix maintenant pour les zombies qui vont nous marrer la gueule pour le prochain épisode. En plus des zombies de base, vous aurez le choix du... un type... alors, comment on va faire? Alors, on choisit un type standard, un nécromancien, et labo, les trois en même temps, ou on en choisit juste deux, base break. On voit comment. Donc 3 d'un coup. Moi je suis chaud pour 3 d'un coup. 3 d'un coup, donc vous allez avoir le choix. Est-ce qu'on va commencer, on peut pas y aller doucement. Et au prochain. Bah lui il a dit qu'il était chaud pour le 3. Ah bah on fait un vote facile. Un vote et la majorité. Donc toi t'es tout seul. Ah non, c'est la démocratie. C'est la démocratie. La démocratie. Imagine, c'est nous trois qui crèvent et lui il survit. Là, c'est ensemble. Il nous dira. Ah, le karma existe. Alors attention. Le karma. Donc du coup. Pour la prochaine vidéo, vous aurez le choix pour le type de zombie standard. Alors les zombies standard, je vais voir ce que je peux faire, mais vous savez que dans d'autres extensions, il y a des orques en zombie, tout ça. On pourra les mettre, et comme on pourra utiliser d'autres cartes, les cartes de zombicide invader ou zombicide civil, hein, ça permettra de savoir quand on va se taper sur la gueule. Je vous expliquerai les règles qu'ils font dans le choix dans la vidéo, c'est moi qui ferai le montage. Vous aurez le choix du boss, d'une abomination. Bon, bien sûr, on va commencer pour vous. Hein. Ouais, avec le petit abomination. Petit à des trucs vénères. Et le choix de nécromancien, du coup il y aura deux nécromanciens dans la partie et on expliquera éventuellement ce que ça fait. La règle que tu adores hein, au niveau des nécros. Eh ouais, la fameuse. Donc du coup c'est vous qui aurez le choix pour les prochains ennemis. Ce qui veut. Alors, au niveau des choix, alors on a les commentaires YouTube, la page Facebook, on va mettre la page Facebook aussi, le Discord CG et le Discord de là, t'as ton, ton Discord perso. Twitter éventuellement. Ah, Twitter. Et puis je pense que c'est bon. Et puis, bah, attends, c'est pas alors, on sait qu'au niveau du temps de la vidéo, là, on a mis un an pour essayer de la mettre. Alors là, on sait pas à l'heure actuelle combien de temps elle sortira entre eux. Parce que le montage est assez compliqué. Le montage, enfin, compliqué. Non, mais il est long. C'est. Donc, si vous n'en faites pas, vos idées seront sauvegardées. On compte sur vous pour les votes. On compte sur vous parce que ça va pimenter la partie. Et c'est moi qui vais mettre le choix, je vais voir ce que je vais rajouter. Donc voilà. Bah, mais sur, en tout cas, messieurs, merci pour ce retour sur. C'était cool. Ça va. Un peu dans la douleur au début, mais. Un peu dans la douleur. Donc, les gestes habituels, les réseaux sociaux, la page Facebook, les commentaires. Les commentaires. Nanana. On sait qu'il y a des trucs encore qu'on doit améliorer, comme les règles, etc. Bah oui, les règles, au cas où, si on a fait une boulette, n'hésitez pas à revenir sur nous. C'est un retour. Ouais. Le son, bon ça, le son c'est quelque chose qu'on est en train de voir actuellement, donc on vous avoue qu'on a essayé de trouver des solutions. On va éventuellement, je vais regarder un truc, c'est pour les micro-cravates éventuellement, pour voir si on peut comment ça fonctionne. On va voir pour améliorer le setup au fur et à mesure du temps. Ouais. Et puis bah on vous dit en tout cas on vous remercie pour les retours du premier épisode, l'épisode 0, parce qu'on a eu les retours de tes camarades aussi qui ont vu, qu'ils étaient très contents. Et bah, nous vous en remercions, c'est très cool. Et puis bah écoute, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Alors le prochain épisode qui a le titre de Attention. Il cherche. Le livre noir. Oh. Sur ce, à bientôt, à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. Bye bye. Encore une fois, désolé pour la petite gêne sur les pixels dégueulasses sur l'écran du plateau, en espérant que cela ne vous a pas gêné. Maintenant, le choix des zombies. D'abord sur les types standards. Pour votre choix, on va partir sur des zombies orques qui font 2 de dégâts. Ou les fantômes, où il faut obligatoirement de la magie ou des armes de crypte pour les tuer. Pour le choix des nécromanciens, vous aurez le choix avec Green qui se déplace de 2 zones au lieu de 1. Et le second est Tome Koopa qui arrive avec une abomination à ses côtés. Et si elle est déjà en jeu, l'abomination gagne une activation supplémentaire. Pour les abominations, vous aurez le choix entre le Vault Warden qui nous permet de gagner une arme de crypte quand on l'élimine. Et pour la seconde, désolé pour la prononciation, The Magenta Coffee of Urg. Si elle nous a dans son champ de vision, nous devons utiliser une action supplémentaire pour bouger. Voilà vos choix pour notre prochaine partie. N'hésitez pas dans les commentaires, nos réseaux sociaux et nos Discord qui ont leurs liens dans la description. Ce sera très important pour nous pour les votes. On compte sur vous et en attendant, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.
Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Pie Jesu Domine.